Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer plusieurs achats que j'ai faits. Donc c'est que des mystères, donc ceux qui ne sont pas intéressés par les mystères, je vous demanderai de passer votre chemin ou d'aller regarder d'autres vidéos que j'ai faites. Alors je vais vous montrer déjà, alors il y en a juste un, par contre qui n'est pas mystère. Tous les autres sont mystères, sauf un. Alors je vais vous montrer, donc celui qui n'est pas mystère d'abord. Donc c'est un point par point. C'est ce livre-là. Je trouve que le raton laveur, il est trop mignon. Je l'adore. Alors, j'en ai fait un hier soir. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai fait tout au crayon de papier avec une règle. Par contre, ce qui est, je trouve, un petit peu embêtant, c'est quand vous arrivez en fait au pli du livre. Si votre livre n'est pas très à plat, c'est un petit peu compliqué pour monter et descendre sur des points. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ce que vous allez voir avec le reflet. Alors, c'est un genre de petit singe. Je crois qu'il y en a deux. Un là et un là. Voilà. Et en fait, ce que je trouve qui est un peu embêtant, c'est ici, vous voyez, vous avez des points là. Et c'est un petit peu compliqué, en fait, pour les faire. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver comme motif. Donc, c'est que des animaux, hein, point par point. Ça change un petit peu des Disney, je trouve. Donc vous avez ceci. Il y en a quand même pas mal. Il y en a 120, donc un peu plus de 100 que vous avez d'habitude avec les mystères. Après, si vous voulez avoir des photos un petit peu plus, comment dire, plus proches ou plus nettes, si je puis dire, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous montrerai. Parce que là, je pense que la vidéo, elle va être longue quand même. Là, je vous montre comme ça, hein, mais comme je vous dis, si vous voulez avoir si vous voulez voir un petit peu mieux les images, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout aussi à vous abonner si ça vous intéresse ce que je fais. Et ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est la dernière page. Donc, vous avez un peu tout, hein, reptiles, poissons. Bon, moi, personnellement, les points par point, donc j'en ai d'autres, des points par point. Je l'ai fait, certes, mais je ne les ai jamais coloriés. Ça ne m'intéresse pas de les colorier. Moi, c'est un point par point, donc je préfère simplement faire le point par point. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, alors j'en ai commandé un qui est assez vieux. Je vais vous dire en même temps les prix. Comme ça, donc celui-ci, je l'ai payé 12,90 €. Donc je pense que c'est un ancien. Parce que je crois qu'en fait, les anciens livres qui sont à ce prix-là, c'est des anciens livres, tout simplement. Et les nouveaux ou ceux qui sont assez récents, c'est ceux qui ont augmenté de 2 et quelques, à moins que je me trompe. Mais je pense que c'est ça. Alors, j'en ai commandé un. Alors, celui-là, je le voulais à tout prix. J'avais regardé des solutions. Il était vraiment, vraiment beau. C'était le océan. Le océan, j'ai dit, c'est pas possible celui-là, il me le faut. Les solutions sont trop, trop belles. Alors, par contre, je vais vous montrer, j'en ai fait un au Prismacolor. J'aurais peut-être pas dû forcément faire au Prismacolor, parce que bon, ça rend quand même, mais je trouve que ça rend quand même un peu moins bien. Alors, le premier que j'ai fait, enfin, le seul que j'ai fait d'ailleurs, hop, c'est celui-ci. Alors en fait, je trouve que c'est moins bien ici, vous voyez, là sur la baleine et sur les éclaboussures en fait. Je trouve que c'est un petit peu moins joli. Mais bon, après, voilà. Et ce que je trouve aussi avec celui-là, c'est qu'il n'est pas si mystérieux que les autres en fait. Je vais vous montrer par exemple la page d'à côté. Ouais, là vous n'allez pas trop voir. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec les mystères, les autres mystères, vous savez vraiment pas ce que vous avez, tandis que là, là par exemple celui-là, là, vous avez du mal à voir. On voit un petit peu là, vous voyez un petit peu en fait, vous voyez déjà que ça va être un poisson volant en fait. On sait déjà ce que c'est, donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais ça pardonnera le livre parce que franchement, je vais vous montrer les solutions. Je les trouve trop trop beaux. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il était même pas sur Vinted, je crois. Donc c'est vraiment l'univers océan. Hein. Donc il y a tout sur l'océan. Même l'orque là, je trouve qu'elle est super belle.
ça change un peu des Disney. On a. Alors. Hop. Tortue, pieuvre, hippocampe. Hop. Bon, par contre, c'est des couleurs quand même. Je trouve quand même assez sombres. Donc, voilà. Et comme c'est le thème océan, on va vous falloir quand même beaucoup de nuances de bleus différents. Hein. Je vais vous remontrer le premier que j'ai fait. Je vais vous montrer déjà. Je crois que pour le premier, si je dis pas de bêtises, il me fallait déjà trois nuances de noir différents. Et pour moi, le noir, c'est noir. Il n'y a pas 150 noirs. Donc, voilà. Pareil, hein, si vous voulez avoir un peu... Enfin, ça, je vous le dis, c'est valable pour tous les livres. Si vous voulez voir un peu plus en détail, en fait, les solutions, hein, vous n'hésitez pas à me le dire. Là, je vous le passe vite fait parce que, bah, comme je vous ai dit, je vais devoir vous en montrer beaucoup. D'ailleurs, j'en attends encore deux demain et un encore après-demain. Demain, j'ai commandé, je dois avoir le mystère félin qui doit arriver. Et en fait, le chien et chat, parce que j'ai déjà... Le mystère, pas chien et chat, pardon, chiot et chien, parce que j'ai déjà le mystère chat, mais pas, pas le chien, et le félin, et le après-demain, je dois en avoir un, alors je crois que c'est aussi un ancien livre, c'est mystère animaux, simplement, hop. Donc vous avez sans illustration. Hein. Alors, est-ce que j'ai encore... Ouais. Je vais peut-être pas vous montrer non plus toutes les pages, hein, parce que sinon on en a pour des jours et des jours. Donc je vous montre quand même, là je vous ai quand même montré une bonne partie. Hein. Après, si vous, comme je vous dis, hein, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, je me suis commandé, ça je le voulais aussi depuis un moment, en fait au départ, j'ai déjà en fait le best-of bestiaire Disney, mais best-of en fait vous n'avez pas tous les dessins, enfin les coloriages bestiaires en fait, vous n'avez que certains coloriages que certaines personnes ont aimé, mais si ça se trouve, les personnes qui ont aimé ceux qui sont dans le bestiaire, pour eux, il va peut-être manquer des dessins, enfin des coloriages qui seront dans celui-ci. En fait, j'ai pas pris, j'ai pris bah, celui qui n'était pas best-of, j'ai pris le bestiaire comme ça. En plus, je suis trop contente. Il y a Meiko, j'adore, c'est mon dessin animé préféré. Je trouve que lui, il est trop. il est un peu bébête, je trouve, dans le dessin animé, mais je l'adore. Lui et Flit, franchement, il n'y a rien de. Là aussi, je trouve par contre que c'est des. Ah, vous voyez, vous avez du mal à voir. Enfin, bon, je vous dis, là, on voit un petit peu ce que ça représente, vite fait. Enfin, je vous dis ça, mais en fait, je ne vois même pas ce que ça pourrait représenter. J'ai oublié de vous montrer, je voulais vous montrer, comme j'ai dit, la première page où il y a ma baleine. Ici, vous voyez, donc là, il vous faut du bleu, un espèce de bleu gris, un bleu plus foncé. Là ça genre de noir, un bleu encore plus foncé, et les trois là, et eh ben c'est du noir, donc trois sortes de noirs différentes. Voilà, alors je vais vous montrer quand même un petit peu les solutions du bestiaire de Disney. Alors, donc vous avez ça. Vous avez la princesse à grenouille, Cendrillon, Hercule, Aladdin. Là, le petit singe, là, je ne sais plus ce que c'est. Belle et la Bête, Ariel. Ouais, je vais pas tous les montrer, ouais, parce que sinon, la vidéo, elle va vraiment, vraiment être longue. Donc, je vais vous montrer deux pages un petit peu pour vous montrer ce que ça peut donner. Il y a Flash, j'adore aussi ce dessin animé, je l'adore. Franchement, Zootopie. Quand j'ai vu Flash dans la bande-annonce, à chaque fois que je le voyais, et dès qu'il avait la blague de Nick et John qu'on voyait qui partait au ralenti, c'était ça m'éclatait. Ensuite, j'ai le mystère Petit Animaux Mignons. Donc déjà, le panda, ben, rien que le nom, je trouve qu'il était vachement... Enfin, très mignon. Rien que ça. Et donc, ah oui, je vous ai oublié de vous dire les prix.
Alors, pour le océan, donc l'océan, comme je l'ai dit, celui-là, il a 12,90. Et le bestiaire, là, celui-ci, il a 14,95. Le bestiaire, c'est un peu plus récent. L'océan, je ne sais plus quelle année il est sorti, mais c'est plus vieux. Donc, celui-là, il est à 12,90. Alors celui-là, j'en ai fait aucun autre, je crois. Hein, ce que je vais vous montrer, je crois pas. Alors, je vais vous montrer les premières solutions. Hop, vous avez des minous, 4 pages avec des minous. Hop, le petit panda, là, trop mignon. Les ours, là, je crois que c'est aussi un ours. Ouais, je sais pas. Voilà. Je vous montre encore une petite page. Un panda roux, un kangourou, un petit cochon. Et un petit lapin effuré. Franchement, celui-là, il est beau aussi. Je savais, au départ, je ne savais pas trop en fait bah, lesquels prendre parce que bah, les solutions, des fois, ça ne nous plaît pas forcément. Et franchement, ce que j'ai là, c'est vraiment ce qui me plaise. Je sais que j'ai regardé aussi le mystère tropical, il y a monde sauvage et vie sauvage ou quelque chose comme ça. Enfin, il y en a un où il y a un renard, un autre où il y a un tigre et un autre tropical avec le perroquet. Ceux-là, j'ai regardé, mais je trouve que les solutions, je trouve les dessins, ils font un peu faux. Je sais pas, c'est pas. Ils font pas vraiment réel. Ça fait presque comme si c'était un dessin animé, en fait. Donc, ça me plaisait pas trop, donc je les ai pas pris. Un que je voulais aussi à tout prix, le nature. Alors, le nature, celui-ci, il est aussi à 12,90. Alors, je vais vous montrer les petites solutions. En plus, j'adore. Là, il y a, comme je vous ai dit, maintenant, je plastifie à chaque fois les livres. Et là, ça fait vraiment l'odeur du neuf en plus avec. J'adore cette odeur. Alors. Voilà ce que vous avez comme petite solution. Vous avez même l'hiver. Parce que je pense que nature, en fait, c'est équivaut aux saisons, je pense. Ils ont peut-être voulu faire quelque chose comme ça. Hein. Parce que, en fait, là encore, celui-là, je trouve, ça fait un petit peu dessin animé, mais en soi, ça va. Franchement, ça va. Puis, j'ai vu des filles qui ont déjà fait des dessins dedans. Et ben, ça m'a donné encore plus envie de les avoir. Donc, voilà, quoi. Ensuite, j'ai le coloriage sans coloriage mystère inédit. Donc, avec la chouette, là, avec Edwige. Alors, je vais vous montrer. Donc, celui-ci, il est à 12,90. Comme ça, j'oublie pas de vous dire le prix. Alors, donc, on commence avec un serpent. Panthère, tigre, petit papillon. Ce que je trouvais qui était bizarre, c'est qu'ils en ont pas fait. Je sais qu'ils ont fait un mystère oiseau que j'aimerais bien trouver, mais qui est très très dur aussi à trouver, celui-ci. Et j'aimerais bien en fait trouver un mystère, mais en fait que bah, avec des papillons. Ou genre, j'ai même pensé à un petit mystère, en fait. Enfin, un petit mystère, un mystère. Vous savez, en fait, vous avez que des vêtements. Enfin, des vêtements, je m'explique. En fait, vous auriez des personnes connues ou non connues. Et genre, en fait, le mystère, c'est en fait, bah, vous devez colorier les robes de dans le temps du Moyen-Âge, différentes sortes de robes et tout. Je pense que ça pourrait plaire à certaines filles quand même. Je pense. Après, je peux me tromper. Ensuite, alors je vous avais déjà, je crois, présenté celui-ci. Donc je vais vous montrer. J'en ai fait. Je crois que j'en ai fait deux dedans. Si je me trompe. Oui, j'en ai fait deux. Alors j'ai fait le premier. Moi, je fais toujours dans l'ordre. Donc celui-ci. Alors au début, j'étais partie parce que justement, en vous parlant de dames du Moyen-Âge, j'ai cru que ça, c'était une robe. Je me suis dit, non, c'est pas possible que ce soit une robe parce qu'à la base, c'est animaux. Donc ça ne pouvait pas être possible. Et en fait, c'est après, en me mettant plus en arrière, que j'ai vu que ça donnait un paon. Et le deuxième, que j'aime un peu moins, les petites abeilles. Je trouve qu'il est, je l'aime moins. Au début, j'ai eu peur parce que je croyais que c'était tout un feuillet, en fait, un petit peu genre tapisserie. Donc j'ai un petit peu moins aimé. Mais bon, moins. Je l'ai fait, comme je disais hein, dans les autres vidéos. Si quand vous faites dans l'ordre comme ça, au moins les choses que vous aimez moins, après, ils sont faites et vous pouvez avoir que des choses bah, que vous aimez après par la suite. Donc là, je peux vous montrer, il n'y a que 2 pages. Donc voilà, renard, lapin. La petite girafe, là, elle est sympa. Elle me fait penser à celle que j'ai fait
dans le A3. Un peu le même style en mosaïque. Le rouge-gorge, là aussi, là, il est sympa. Enfin, ils sont tous sympas, parce que s'ils n'étaient pas sympas, je les aurais pas pris. C'est normal en même temps. Alors, ensuite, un que je vois beaucoup, le sorcière. Celui-là, je pense que je vais peut-être plus en faire à la période d'octobre, quand ce sera Halloween. Je pense que ce sera peut-être plus comme les livres que j'ai, je vous ai montré, pas les druidesses, mais celui où il y a la magie, tout ça, où ça fait un petit peu enchanteresse, comme ça, un petit peu enchanteur. Je pense que c'est des choses plus que je ferai vers le mois d'octobre pour Halloween. Donc sorcière, j'en ai vu plusieurs qui l'ont acheté. Moi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, hein, il y en a plein qui l'essayent, alors pourquoi je n'essaierai pas de l'acheter? Je sais plus si je vous ai dit le prix de celui-là, je crois pas. Celui-ci, il est à 12,90 celui-ci. Il est quand même moins cher, pourtant il est assez récent. Celui-ci, il est à 14,95. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques images qu'on a. Hop. Alors, on a ceux-là, donc avec les chats. Il n'y a pas que des sorcières, hein. Chats, sorciers. Celui-là, il fait penser un peu à la lune dans E.T. Vous savez, des fois quand on voit les films, quand ils commencent les génériques, je trouve que ça fait penser un petit peu à ça. Hop. Ce que je fais aussi avec certains livres, quand je vois que quand je les couvre, en fait, il me manque. J'ai une grosse partie en haut en fait que je n'ai pas utilisée. Ce que je fais, en fait, quand j'ai deux parties comme ça de livres, parce que là, vous le voyez peut-être pas trop, mais là, je l'ai pas fait avec un simple papier plastique. En fait, j'ai pris deux morceaux de papier plastique. Et en fait, ici, vous voyez, bon, certes, ça fait pas très joli, mais bon, ça me permet un peu d'économiser et mon livre est toujours couvert. Ça m'économise, je veux dire, le papier quand même, parce que tous les livres, là, après, si vous avez décidé de faire comme moi, de les couvrir, donc, ben, ça fait un budget quand même en plus, mais beaucoup moins cher que quand j'achetais des porte-vues pour les mettre tous en porte-vues. Vous imaginez, si j'aurais dû mettre tout cela en porte-vues, je pense que j'aurais même pas fini encore de les mettre tous en porte-vues. Hein. Ensuite, j'ai un Arbre du Monde. Celui-là, j'hésitais un petit peu à le prendre. Je me suis dit, je vais essayer, mais je sais pas s'il va rester dans ma collection, celui-là. Je ne sais pas. Je vais tester. Ou peut-être que je ne vais pas tester et le revendre. Je ne sais pas. Celui-ci, il était à 14,95€. Alors, je vais vous montrer. Bah là, c'est pour le coup, c'est que des arbres. Hein. À part là, il y avait un genre de mandala. Hop! Donc c'est un petit peu les saisons, là vous avez comme une sorte de bonsaï en automne, je trouve. Là je trouve que l'image là est pas trop mal. Celle-ci, elle me fait penser à un petit dessin que j'avais fait au primaire, quoi. Donc ça remonte quand même. Voilà, là, ici, là vous avez des falaises. Ensuite, une autre petite page. Là, vous avez une sorte d'arbre mandala. Là, ça fait comme un petit cerisier. Un arbre de fleurs de cerisier japonais. Voilà. Après, ça dépend. Celui-là, peut-être que je choisirai les images. Je sais pas. Je sais pas. Bon, alors, je continuerai comme je fais. Ça serait mieux que je continue comme je fais, mais... Et oui, et voilà. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté. C'est le Tour du Monde. Donc celui-ci, il est à 14,95€. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, donc vous commencez déjà fort avec celui-là. Si vous commencez dans l'ordre, vous avez déjà commencé fort. Vous commencez déjà ici, avec ça, qui est bien connu, mais je ne sais plus le nom. Vous avez la Tour Eiffel, vous avez l'île de Pâques. Tous des endroits connus quand même, hein. Hop. En même temps, c'est carnet de voyage. Hein. Je viens. Ouais. Voilà. Bon, après, je vous avais montré, il me semble, celui-ci. Le triangle magique. Celui-ci avec l'ours.
Bon, par contre, celui-ci, hein, vous voyez, c'est tout des triangles. Hein. Celui-là, j'en avais fait un. J'avais fait le tout premier, c'était un chat. Je ne savais plus le nom, c'était un chat. Et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas le protéger. Celui-là, je l'avais fait que au Brut Finder 180. Et comme c'est du crayon de couleur, j'ai peur que ça se répercute sur la page d'à côté. C'est comme les prismas, je ne me rappelle plus que c'était si gras. Et c'est pour ça que les prismas, celui que je vous ai montré dans le océan, j'ai tout de suite voulu mettre une pochette pour protéger, pour pas que ça, comment dire, que ça empiète sur la page d'à côté. Je vous avais montré, j'avais le fleur là et le fleur là, les deux là. Donc, je sais pas, après c'est vrai, il y a une youtubeuse qui dit que ça, ça serait celui-là, ça serait le tome 1, celui-ci le tome 2, parce qu'au départ j'avais trouvé celui-ci, et celui-là j'avais dû le commander, je l'avais pas trouvé en fait. Donc, voilà. Là, ça c'est tous mes colos mystères que j'ai pour le moment. Quand je recevrai les deux autres demain et puis l'autre bah, après-demain, je vous ferai peut-être, soit je vous ferai une vidéo avec les deux, soit je vous ferai une vidéo avec les deux et une vidéo tout seul, ou alors je vous ferai peut-être une seule même vidéo avec les trois dedans, comme ça vous avez tout en une seule vidéo. Je sais pas, je verrai bien si je suis motivée pour à tout prix vous la faire quand même demain, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut. Et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez avoir plus d'infos sur tel et tel livre mystère comme je vous ai présenté ici. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Bye !